Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je vais nickel comme je l'avais annoncé sur le canal Telegram. Je vais vous partager aujourd'hui une faille sur le jeu Timble qui marche à 100%. Et l'avantage avec cette faille là, c'est que c'est pas sur un bookmaker très très populaire. Donc là, ça va nous laisser le temps de bien profiter de la faille avant que ce bookmaker là ne détecte vraiment cette faille là. La cote que nous allons viser, c'est une très grosse cote, une cote de 2,88. Donc une cote de 2,88 au pari sportif. Tu sais bien que ce n'est pas une petite cote. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux atteindre cette cote de 2,88. Et là, comment est-ce que tu peux rattraper tes pertes très facilement avec ce jeu Timble là. Donc bien avant de continuer, tout ce que tu as à faire, si ce n'est pas encore fait, c'est de t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je t'ai également laissé le lien du canal Telegram juste dans la description de la vidéo. Donc clique sur le lien pour nous rejoindre également dans le canal Telegram. Là-bas, je te partage quelques failles, quelques astuces que je ne partage pas forcément sur cette chaîne YouTube. Donc sans plus tarder, on va aller directement dans le vif du sujet. Donc là, on va aller directement sur ma calculatrice. Sur ce bookmaker également, je vais vous partager comment est-ce que vous pouvez effectuer un dépôt là-dessus, parce que c'est pas le même système de dépôt que OneIsBet, Betwinner ou les autres bookmakers. Donc là, on va d'abord se concentrer sur la cote que nous allons viser. Donc vu que j'ai dit que c'est une cote de 2,88, donc ici ce qu'on va faire, tu vas te préparer avec ton capital. Et comme je le dis toujours, le pari sportif, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas de la loterie. Donc il faut toujours se préparer, ok? La différence entre le pari sportif et la loterie, c'est que au pari sportif, on peut anticiper les pertes, et pourtant la loterie, c'est le pire hasard, les gars. Donc ici, partons de base que tu vas commencer avec une mise de 500 francs. Donc une fois que tu places 500 francs une fois et que ça va rater, tu vas placer encore 500 francs une deuxième fois. Donc ça va te faire deux mises. Avec la technique que je vais te donner, au bout de 5 mises, tu vas voir que ça va être validé et tu vas faire énormément de gains. Donc pour ceux qui vont commencer avec 500 ou 200 ou 300, vous, certes vous n'allez pas faire de gros gains, mais pour ceux qui vont commencer avec 1000 francs, 2000 francs, vous allez voir que par jour vous pouvez effectuer vraiment énormément de gains. Donc là, supposons que tu as commencé avec 500 francs, donc tu vas juste placer 500 francs une fois. Quand ça va rater, tu vas juste replacer ces 500 francs une deuxième fois. Donc quand ça va rater, automatiquement tu vas doubler maintenant les 500 francs fois 2. Là, tu ne vas pas doubler par 2,5, tu vas doubler par 2. Donc ça va te faire 1000 francs une fois. Ça, c'est la troisième mise. Et quand ça va rater, tu vas placer 1000 francs encore. Donc ça va te faire 4 mises. Donc au bout de 4 mises, si ça rate, donc 5e mise, automatiquement tu fais 1000 francs fois 2. Ok, donc ça c'est fait 5 mises, mais à la 5e mise ça rentre toujours. Donc là, on va faire notre calcul. Donc on va faire égal, donc on fait plus, ça fait 1000 francs deux fois, donc on fait plus 2000. Ok, et on fait plus, donc 500 francs deux fois, tu me fais 1000 francs. Ok, donc en tout, tu auras besoin d'un capital de 5000 francs CFA seulement. Mais comme je le dis, au pari sportif, les petites mises, c'est vraiment pas la peine. Donc tu peux te préparer avec un capital de 20 000, de 15 000, bref, ça va dépendre de toi. Mais là, c'est juste la théorie que je t'ai partagée. Allons directement dans la pratique. Après avoir cliqué sur le lien juste dans la description de la vidéo, ici pour l'inscription, c'est très simple. Tu vas juste sélectionner l'inscription par téléphone ou par adresse email. Mais là, ce que je te propose, c'est de choisir l'inscription par adresse email. Ok, donc une fois que tu fais cela, tu vas juste mettre ton adresse email ici, tu vas mettre ton mot de passe. Et là, tu vas choisir ton pays. Ok, après avoir choisi ton pays, le côté USDT, il ne faut pas toucher cela parce que tu ne vas pas voir le franc CFA, tu ne vas pas voir bref, ici ce sont juste les devises qui sont là, qui sont sur ce bookmaker. Mais ne t'inquiète pas, quand tu vas faire le dépôt en franc CFA, ça va apparaître en USDT ou en euro. Donc ça va dépendre, voilà, de la devise que tu as choisi. Donc une fois que tu as fait tout cela, là tu vas venir cliquer ici côté code promo. Ok, là c'est très très important pour pouvoir bénéficier des avantages sur ce bookmaker. Donc là, tu vas cliquer sur code promo. Après avoir cliqué sur code promo, là tu vas mettre 24 et tu vas mettre AB. Ok, et les 24 AB, c'est tout en majuscule. Ok, donc après avoir fait cela, tu vas cliquer sur vérifier. Ok, automatiquement ça va se mettre à vérifier et là ça va apparaître vert comme ça. Donc une fois que c'est vert, c'est que c'est le bon code promo. Donc une fois que tu as fait cela, maintenant tu vas juste cocher cette case et ensuite tu vas cliquer sur commencer le jeu. Donc automatiquement ton code, il sera créé. Et surtout, après avoir créé ton compte, n'oublie pas de vérifier ton adresse email. C'est très important avant de faire un retrait sur ce bookmaker là. Sur ce bookmaker, le système de dépôt n'est pas le même que sur les autres bookmakers. Donc ici, pour effectuer un dépôt, c'est très simple. Ce que tu vas faire, tu vas juste cliquer sur la petite flèche qui est juste en haut, ou bien les trois barres.
Et là, tu vas venir cliquer sur le plus. Voilà le jeton qui est juste en haut ici. Donc, une fois que tu cliques sur plus, donc là, on a les différentes méthodes de dépôt. Ici, ce que tu vas faire, c'est juste choisir la méthode qui te convient. Donc là, nous avons les USDT. Et ici, nous avons les Dogecoin. Et là, nous avons les TRX. Donc, si tu ne sais pas comment faire un dépôt sur le site, je t'ai montré comment le faire dans une vidéo précédente. Je te laisserai le lien de la première vidéo juste dans la description de la vidéo. Dans cette vidéo, je t'explique comment est-ce que tu peux faire un dépôt sur ce bookmaker là. Donc là, ce qu'on va faire, on va passer directement à la pratique. Donc pour ce faire, on va cliquer sur les trois barres. Et là, je vais aller dans la section casino. Ok, donc une fois que nous sommes dans la section casino, comme je te l'ai dit, c'est une cote de 2,88. Donc là, on va rechercher le jeu. On va juste défiler. Il y a plusieurs failles sur ce bookmaker. Je vous partage vraiment énormément de vidéos sur ce bookmaker. Donc pour ne pas rater, tout ce que tu as à faire, c'est de t'abonner et activer la cloche de notification. Donc là, on va juste défiler comme ça. Ok, on va chercher le jeu Timble. Vite fait. Donc là, ce qu'on va faire, je vais juste cliquer dans la barre de recherche. Ok, et là, je vais mettre Timble. Ok, voilà, une fois que je mets Timble, donc là automatiquement ça va apparaître comme ça. Donc là je vais cliquer sur jouer. Ok, donc après avoir cliqué sur jouer, maintenant je vais vous partager un peu ce que je vous ai partagé en théorie. Donc, je vous ai mis le lien de ce bookmaker juste en commentaire de la vidéo et je vais le mettre également dans la description de la vidéo. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien, ouvrir un code et utiliser le code promo 24AB pour activer tous les bonus disponibles sur ce bookmaker. Donc là, on va juste patienter. Donc là, ce jeu Timble, ça va s'afficher comme ça. Et ici, on a la possibilité de choisir entre deux boules ou une boule. Donc la boule que nous allons viser, c'est seulement une boule. Donc là, ça fait une cote de 2,88. Donc là, voici où on peut placer notre mise. Donc pour placer la mise, c'est très simple. Ici, je vais commencer avec un capital à 2. Je vais commencer avec 10 USDT, donc ça va me faire un truc de 5000 francs ou un truc de ce genre. Donc ici, une fois que je place 10 USDT, je vais juste choisir une seule boîte. Et ici, ne change pas de boîte jusqu'à ce que ça rentre, ok? Donc là, je vais choisir la boîte du milieu, ok? Donc là, je viens de perdre une fois, ok? Donc je ne vais pas doubler ces 10 USDT là, je vais placer les mêmes 10 USDT une deuxième fois. Donc là je clique sur la boîte du milieu encore et là ça vient de rentrer, ok? Là ça vient de rentrer, donc ce que je vais faire, donc là je vais venir sur ma calculatrice et je vais te partager un peu combien est-ce que j'ai fait comme gain. Donc supposons que je viens de placer 5000 francs, ok? Et là ça a raté, automatiquement j'ai placé un autre 5000 francs, donc là ça me fait une mise totale de 10000 francs. Ok, donc c'est 10000 francs, je fais fois 2,88. Donc à tout, ça me fait un gain de 28800 francs. Donc je fais égal et maintenant je fais moins les 10000 francs que j'ai placés. Donc en tout, ça me fait un gain de 18800 francs en l'espace de quelques secondes seulement. Donc tu vois, c'est comme ça que cette stratégie là marche. Et comme ça, quand tu vas gagner une fois, tout ce que tu as à faire, c'est de te déconnecter et ensuite de revenir jouer quelques minutes plus tard. Il ne faut pas enchaîner avec cette stratégie là. Donc là, tu vois que c'est très très simple. Tu n'as même pas besoin d'être un pro du pari sportif pour pouvoir générer de l'argent avec cette stratégie là. Donc c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo te sera utile. Si c'est le cas, n'oublie surtout pas de liker et partager. Quant à moi, je te dis à ciao pour une toute nouvelle vidéo.